Bon, je suis portugais d'origine et la première fois que je suis arrivé à Touro, j'ai eu la chance de voir des vignes magnifiques, des vignes impressionnantes. Parce que ce sont des vignes pré-phylloxérie qui ont arrivé à résister l'attaque de la phylloxéra qui est arrivée en 1910 à peu près dans la région de Touro. Et ces des vignes sont encore qui montrent un peu l'effort, un peu vraiment cette difficulté qu'elles ont passée pour arriver à l'âge qu'ils ont aujourd'hui. On parle de 520, 540 ans, et quand même, on a une petite demi-hectare de vignes qui était plantée il y a à peu près 160 ans. Avec ça, avec cette concentration énorme, on fait des vins magnifiques. Après, on doit trouver dans le monde où est-ce qu'on peut amener notre vin. Et les marchés du futur qu'on pense, alors aujourd'hui, on a bien sûr, on continue à penser bien sûr aux États-Unis. C'est un marché qui va rester, un marché qui a déjà de la maturité. Après, des marchés qui continuent à croître, notre deuxième marché, c'est l'Espagne. Bon, mais ça, c'est normal, c'est notre propre pays. Et finalement, je suis convaincu qu'il y a des pays qui vont croître. Pas seulement le Japon, qui est un marché aussi qui croît de façon stable. La Chine, on va voir. Alors après, tout ce qui est passé au niveau des lois internes, etc., au niveau de consommation. Le Brésil qui va remonter, je suis persuadé. Et des marchés comme le Mexique. Ça, sont des marchés pour les vins espagnols qui sont extrêmement importants. Allora, riassumo quello che lui ha detto. Io sono portoghese, giusto? La prima volta che sono arrivato nella regione del Toro, sono stato subito impressionato dalle vigne che ci sono. Sono vigne con ancora prima della filossera. La filossera ha attaccato le vigne nel 1910 e queste vigne sono delle vigne molto vecchie che arrivano anche a 120-130 anni. Sono vigne molto forti e sono vigne che hanno resistito a questa malattia. I mercati più importanti sono il mercato degli Stati Uniti, che indubbiamente sia come numero che come grandezza. Altri mercati sicuramente la Spagna perché è il mercato di casa. Il Giappone è stabile e comunque sempre un po' in crescita. La Cina si vedrà anche con gli ultimi problemi che ci sono stati nelle vendite, nelle vendite su internet si vedrà. Brasile e Messico sono sicuramente due paesi che aumenteranno, sono due paesi in cui si crede di vendere molto. Grazie, magnifico. Grazie.